Yo les gens, c'est DiaboloFit35, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ne rentrez pas. Et aujourd'hui le thème du jour c'est les immeubles, donc ne rentrez pas dans les mauvais immeubles Minecraft. Une vidéo qui j'espère vous plaira. En gros on a trois immeubles qui sont tous les trois posés sur l'eau. Un immeuble noir correspondant à Spider-Man New Generation. Un immeuble rouge correspondant à Astérix. Et enfin un dernier immeuble de couleur verte qui correspondra à The Grinch. Donc comme vous avez sans doute pu le voir, aujourd'hui c'est un épisode spécial cinéma. Puisqu'aujourd'hui je reprends trois films actuellement à l'affiche, trois films d'animation. En gros le premier c'est Spider-Man, le deuxième Astérix et enfin The Grinch. Donc dans ces trois bases on découvrira les trois héros différents. Si tu me découvres sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour ne louper plus aucune de mes prochaines vidéos. Tu feras aussi partie de la team zombie. La team zombie c'est qui? C'est tous ceux qui font partie de mes abonnés. Donc tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, c'est la team zombie. Tu peux aussi mettre un petit pouce bleu à 500 pouces bleus sur cette vidéo, je me ferai un plaisir de refaire un épisode de ne rentrez pas dans les mauvais immeubles Minecraft, donc voilà avec le même thème des immeubles. On va tout de suite commencer avec la base de Spider-Man. Donc c'est bon les gars, je me suis mis en game mode 0 devant la base de Spider-Man, donc let's go, on va rentrer. Je me suis pris la porte. Yo, ah il est où Spider-Man? Ah yo Spider-Man, comment ça va? Est-ce que ça va bien ou pas depuis la dernière fois? Yes, ok, ça va bien en tout cas pour Spider-Man. Du coup, alors, petite base plutôt cool. Alors là, du coup, t'as un petit peu augmenté. La dernière fois, t'avais un gros immeuble, je me souviens. C'était plutôt stylé, mais là, du coup, ta base, elle a un petit peu changé. Là, c'est vraiment un immeuble juste pour toi. Donc là, il y a genre ton petit lit. Ah non, c'est pas ton petit lit, c'est ton gros canapé. Avec ta petite table, des petits livres pour lire, tout ça. Alors, épreuve. Battre Spider-Man sur le parcours à l'étage. Ok, donc on a un parcours apparemment à l'étage. Alors Spider-Man, c'est ça le parcours? Est-ce que c'est ça du coup le parcours? Genre, en gros, il faut arriver où? Ici, sur le bloc juste au-dessus là? C'est ça? Ok, nice. Bon, alors attendez, on va observer un petit peu le parcours avant de voir comment on va le commencer. Alors déjà le parcours, en gros, je pense qu'il faut sauter d'abord sur ce bloc là, ensuite ce bloc là. Ensuite on est sous ce bloc là. Alors là il y a un petit espace de deux, c'est un petit peu galère. Je suppose qu'il faut sauter ici, ici, puis ici, puis les barrières, puis ici. Ok, bon, on se donne un top départ genre Spider-Man pour le faire. Genre à 3. Alors 1, 2, 3, let's go. Hop, c'est bon, je suis en haut du premier bloc. Bah Spider-Man t'arrives pas? Pourtant c'est ton parcours hein. Spider-Man, genre attends, je te donne un petit indice quand même, parce que là je te vois faire n'importe quoi. Ah non, mince, mince, il a réussi. Hop, ok, c'est bon, là on est en concurrence tous les deux. Non, putain. C'est bon, ok, j'ai fail. C'est bon, bam, ok, c'est bon, nice. Là je me mets ici, hop, c'est bon, je suis ici, hop, hop. Non, j'ai fail le dernier saut. C'était pourtant si simple, j'ai fail le dernier saut. Ah c'est un parcours tout simple mais je fais nimp, hop. Non, il y a la pression aussi de perdre. Du coup hop hop c'est bon. Non ok nice. Ok let's go, hop hop. Non il m'a poussé lorsque j'ai sauté. Hop c'est bon je suis ici. Hop là on sneak de spi. On est sur le bloc là. Hop on est sur ce bloc là. Alors on pourrait aller directement ici en soi, mais je pense que c'est un peu de la triche. Non, j'ai fail totalement. Bon là les gars c'est la bonne. Depuis tout à l'heure je me fais que de me fail. Mais bon, alors que c'est trop simple. Hop c'est bon, là on est passé ici. Hop là c'est bon, hop là c'est bon. Hop c'est bon ici, maintenant il reste plus que ce bloc là à atteindre. Ok c'est nice. Et... bravo, tu as gagné. Voilà Spider-Man, j'ai réussi le parcours. Attendez, je vais descendre pour le dire. Regarde Spider-Man, regarde en hauteur. Je suis ici, regarde, voilà c'est bon. Bon bah j'ai réussi Spider-Man. Je suis désolé mais du coup je t'ai battu dans l'épreuve du parcours. Bon en tout cas voilà Spider-Man. Bon je sais qu'en fait là du coup ce qui était assez compliqué pour toi c'est que tu n'utilises pas tes toiles. D'habitude si tu utilises tes toiles t'aurais très très bien réussi le parcours assez rapidement. Bon il a l'air déterminé à le réussir Spider-Man. Là faut vraiment se mettre en sneak. Genre vas-y tu te mets en sneak vraiment sur le bord et tu sautes. Mais là en fait tu sautes, regarde ce bloc là, en gros faut se mettre vraiment en sneak sur le bord là genre. Regarde attends je vais te montrer de spi. Hop. Là faut se mettre genre en sneak ici quoi. Et hop, tu sautes ici, tu sautes ici, tu sautes ici. Hop, c'est bon. Et on va le réussir une deuxième fois en montrant à Spider-Man comment le réussir. Voilà.
C'est bon, tu as gagné, bravo. Donc voilà, Spider-Man, t'as vu un petit peu comment fallait faire. Je te laisse t'entraîner pour une prochaine fois. Ce sera à guise de revanche pour la, pour la prochaine fois où on s'affrontera, Spider-Man. D'ailleurs, petite question, dites-moi tous ceux en commentaire qui sont allés voir le film Spider-Man New Generation. Voilà, donc vous me dites en commentaire le film si vous êtes allé le voir ou pas et si vous aimez bien Spider-Man. Dites-moi aussi en question plus globale, pour tous ceux qui sont allés voir en gros un de ces trois films, ou alors si vous êtes allé voir carrément deux films sur trois, ou même les trois, si vous êtes allé voir The Grinch, en plus de ça Spider-Man et en plus de ça Astérix, dites-moi en commentaire, dites-moi le film que vous avez préféré, et puis voilà, vous pouvez aussi me donner une petite note sur 10 pour les trois films, donc voilà. Donc c'est parti les gars, on va tout de suite aller voir, pendant que Spider-Man est encore en train de s'obstiner à réussir le parcours, on va tout de suite aller voir Astérix. Et voilà les gars, on est devant l'immeuble de Astérix, donc c'est parti, on va tout de suite rentrer, hop hop hop. Wow, ah ouais, ça a changé depuis la dernière fois. Souvenez-vous, sa dernière base, bah, c'est la dernière vidéo que j'ai sortie. En gros, bah, il y avait un petit village, genre dirait des petits bleus gaulois avec genre les barrières, tout ça. Ah, yo, enfin, c'était pas des barrières, c'était des murailles. Donc, yo, Astérix, comment ça va? Ça va bien ou pas? Est-ce que ça vient depuis la dernière fois? Yes, ça va bien. Prêt à prendre ta revanche du coup sur le PVP classique. Bon, cette fois-ci, on aura tous les deux le droit à la potion magique apparemment, d'après ce que j'ai pu lire un petit peu au préalable sur les panneaux. Donc voilà, en tout cas, il a une base plutôt lourde. Regardez, il y a un gros banquet qui est en train de se préparer avec plein de chaises et tout, plein de chaises plutôt stylées. Une grosse table. D'ailleurs, Astérix, attends, il est où Astérix? Astérix, t'es en haut ou... attends. Je crois qu'Astérix il est en haut. Ah, il est là. Ok, Astérix, Obélix, est-ce qu'il va venir dans un prochain épisode ou pas? Oui, ok, il va venir bientôt à Obélix apparemment dans un prochain épisode, du coup ça fera plaisir de le voir, puisque là du coup il est parti chasser du sanglier pour remplir la table, etc. En tout cas, belle base, donnez une note sur 10 pour la base, donc voilà, vous allez me dire si c'est plutôt cool ou pas. D'ailleurs il pleut dehors, du coup c'est cool qu'on soit à l'intérieur de la base. MD, regardez, c'est vrai que ça ouvre les deux portes. Du coup ça ouvre cette porte là. Bon, débarque. Alors, épreuve, battre Astérix dans un combat PVP à l'aide de la potion magique. Ok, donc on a la potion magique apparemment cette fois-ci. Donc là on a le petit ring dans lequel on va devoir se battre. Donc là en gros on a de quoi s'équiper, du protection 3, ah ouais, une petite, petite épée en pierre et de la potion magique. Ok, c'est nice tout ça, donc on va s'équiper. T'inquiète, j'avais à manger Astérix, ça fait plaisir en tout cas que tu m'enfiles. Du coup tout est prêt, on va boire cette potion magique, let's go. Moi je bois ma potion magique, hop c'est bon, j'ai bu ma potion magique. Et à 3, 2, 1, let's go. Ok, c'est bon, là le fight est à son comble. Ok, alors c'est dans un petit espace, du coup on peut pas faire grand chose. Ok, attends, hop. Ouais, il va me buter, il va me buter. C'est très très chaud comme combat, on a pété les torches. Non, à mon avis, il va me tuer, il va me tuer. Non. Je suis mort. Bien joué à Astérix. Bon, c'est clair qu'il gère mieux la potion magique que moi. Donc voilà. Bon bah voilà Astérix, tu m'as battu, t'as pris ta revanche par rapport à la dernière fois. Bon, même si tu m'avais déjà battu avec la potion magique. Du coup bah moi ce que je te propose c'est que j'aille m'entraîner un peu plus, parce que t'es vraiment le premier combattant qui arrive à me résister niveau PVP. Du coup Astérix, bah t'es vraiment un très très bon combattant, et je te propose c'est que la prochaine fois bah on se refasse une revanche et puis tout ça. Donc voilà, à plus Astérix, et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez revoir Astérix dans une prochaine vidéo, parce que ça fait deux vidéos de suite que je le fais. Du coup bah vu que la dernière vidéo a pas forcément si bien fonctionné que ça. Enfin quand même plutôt bien. Mais bah du coup vous me dites en commentaire si vous voulez revoir Astérix. Allez c'est parti, moi je vais tout de suite voir The Grinch. Et The Grinch, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, du coup je vous propose de vraiment rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc c'est bon les gars, on est devant la base de The Grinch. Donc le Grinch, voilà, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas vu, ça va faire plaisir de le revoir. Yo le Grinch, comment ça va? Alors le Grinch, faut toujours se méfier parce que parfois il est gentil, parfois il est méchant. Alors là j'ai l'impression qu'il est gentil, hein, ça... bah, c'est bon, t'as l'air d'être gentil plutôt le Grinch. Alors petit sapin de Noël avec des cadeaux en bas du sapin. Bon en tout cas c'est plutôt cool, en tout cas Grinch est réconcilié avec Noël. Ça fait plaisir, en même temps voilà on a passé Noël du coup, bah maintenant Grinch est réconcilié avec Noël. Alors épreuve, battre le Grinch lors d'une course. Bon déjà on va regarder un petit peu la base, grosse cheminée. Petit cadeau, petite bibliothèque, ok. Nice. Alors, Grinch, du coup, aujourd'hui, tu me défies dans une course, c'est ça? Yes, ok, bah ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait The Grinch dans une course, qu'on n'avait pas fait de course contre des personnages. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous plairait qu'on fasse une gigantesque course avec genre Mario, Sonic, etc. Les personnages avec qui on fait des courses pour, en fait, du coup, bah pour faire une belle petite vidéo de course, donc voilà. Alors...
arrivé moins 197 737. Ok, alors les gars, je vous explique comment relier, enfin rejoindre ces coordonnées. Alors en gros, pour rejoindre ces coordonnées, là vous voyez, regardez, en gros genre x, y et z, là on est marqué qu'en moins 197, l'arrivée elle est en moins 197 x, z 737. Du coup en gros, si j'avance par là, on voit bien que le z augmente, regardez, ça passe de 156 à 163, voilà. Et le x, en gros, bah du coup, on voit bien que si je me décale vers la droite, ça augmente. Du coup, en gros, l'arrivée devrait être par là, un peu vers la droite et tout droit dans 700 blocs. Du coup, voilà, on va laisser les coordonnées allumées. Et puis maintenant, on va se donner un petit 3, 2, 1, feu, c'est parti. Donc, vas-y. T'es prêt, Grinch? Donc, c'est parti. 3, 2, 1, t'es prêt? Ok, nice. Ok, 3, 2, 1, go! Let's go! Bam, bam, bam. Il y a des petits bateaux qui nous attendent à l'arrivée. Enfin, l'arrivée. Mince, j'ai loupé le bateau. Ok, c'est bon, c'est nice. On est parti. Grinch, il a pris un petit peu d'avance sur moi. Allez, c'est parti, let's go. Alors là, ça va être une grosse course de bateaux, j'ai l'impression, puisque l'océan est vachement grand. D'ailleurs, les gars, je vous invite pendant cette course à rejoindre mon Discord. Il est en description si tu veux rejoindre, en gros, voilà, toute la team zombie. On parle souvent sur ce Discord-là. Et du coup, bah, si tu veux rejoindre un petit peu la team, bah, tu peux venir sur ce Discord. Alors, je vais mettre en 187 piles. Alors, il a un tout petit peu d'avance, Grinch. Faut juste pas qu'il reprenne un peu de cette avance. Je vais essayer de voir si je peux pas le frapper. Ok, nice. Ok, on est juste derrière lui. Il s'est décalé un tout petit peu, regardez. Alors, du coup, les 197, c'est un tout petit peu plus vers là. Ah, il fait un petit détour. Il a bien vu ça. Du coup, on est presque au même niveau. Et là, on arrive sur la terre. Ok, ça va être une course très serrée. What? Mince. Ok, attendez. Il arrive par là. Ok. Je vais descendre ici. Bam, c'est bon, je suis descendu. Ah ouais, j'avoue, c'est pas con ce qu'il vient de faire. Ouais, quoique, je sais pas. Hop, nous on va continuer par ici. Je pense qu'il a pris une mauvaise option, les gars. Enfin, en tout cas, j'espère. On va tout de suite se remettre en 197. Parce que là, j'ai un petit peu dévié. Je suis en 174. Lui, il doit être en 150 là-bas. Hop, hop, hop. 197, bientôt. Yes, on voit l'arrivée. Il est où, Grinch? Il est là, Grinch. Regardez, on le confond presque avec l'herbe. Bon, normalement, j'ai gagné la course. Il suffit juste que je me trompe pas quand j'arrive et que je monte sur la première place. C'est bon, j'ai gagné. Grinch, je t'ai battu. C'est bon. J'ai réussi à battre Grinch. Hop. Par contre, il met des petits coups. Ok, nice. Bon, bah, il met des petits coups. Genre, il doit être... Je crois qu'il est vénère, Grinch. C'est bon, on l'a retrouvé en mode grincheux. Bon, il est quand même plus gentil qu'avant, mais bon, on l'a retrouvé en mode grincheux. Donc voilà, Grinch est en mode grincheux. Bon, Grinch, je suis vraiment désolé de t'avoir battu, hein, mais voilà, c'est la loi du plus fort. Regarde, on va lui mettre un petit coup aussi. C'est bon, on se barre. Il casse la deuxième place. Ok. Bon, bah, en tout cas, Grinch, je te souhaite. Et il se met sur la première place. Non, non, c'est ma place ici, hein, Grinch. C'est ma place. Donc voilà. Ok. Bon, les gars, en tout cas, on a retrouvé Grinch en mode grincheux. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Je ne pense pas que la prochaine vidéo sera une ne rentrez pas. Mais peut-être, c'est à vous d'en décider en commentaire et avec le nombre de likes que vous allez mettre sur cette vidéo. Donc voilà. Allez, bye tout le monde, les potos. Je vous aime. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vais faire un petit combat à main nue avec le Grinch puisqu'il est assez vénère. Donc c'est parti, hop 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 hop. On va lui mettre des sales combos. Bam bam bam. Bon allez, à plus les gars, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.